Son déplacement est hautement symbolique. Abdelaziz Belkhadem est venu à Tanger en tant que dirigeant du Front National de Libération Algérien, le FLN. Son objectif, assister au 50e anniversaire d'une conférence historique, celle des partis du Maghreb arabe. Mais sa présence est aussi porteuse d'une autre image, celle d'un premier ministre algérien en visite au Maroc. Cela fait des années que ça n'était pas arrivé. En 1958, la conférence des partis du Maghreb avait appuyé la lutte armée en Algérie et son indépendance vis-à-vis de la France. À l'époque, trois entités politiques, le FLN algérien, l'Istiklal marocain et le néo-douze-tours tunisien se réunissaient. Ensemble, ils définissaient le principe de solidarité entre les peuples du Maghreb et l'unité des pays de la région. 50 ans plus tard, quatre autres partis ont rejoint cette formation. La Mauritanie, la Libye sont désormais représentés. D'après ces formations politiques, la réunion de Tanger doit surtout être une prise de conscience du destin commun des peuples maghrébins. Et c'est en présence de plusieurs représentants politiques de la région que la place Al-Maghreb Al-Arabi de Tanger a été inaugurée aujourd'hui. Une image censée symboliser un Maghreb uni. L'Union du Maghreb arabe regroupe la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Mais depuis 1994, l'UMA est en panne. Des différends entre Alger et Rabat sur la question du Sahara notamment ont souvent freiné les activités de l'UMA.